Sabbath, everybody. Bon sabbat à tous. It's a blessing to be here. C'est une bénédiction d'être ici. This week. Donc cette semaine. We want to do some studies on Daniel. Nous aimerions faire des études sur Daniel. Particularly the last few verses in the book of Daniel, of chapter 11. Et particulièrement les derniers versets du livre de Daniel, chapitre 11. But we'll be covering a lot more information than just those few verses. Mais nous allons couvrir beaucoup d'informations en regardant ces quelques versets. I'm not sure how many of you are familiar with the studies that we do. Et je ne sais pas combien de personnes sont familières avec les études que nous faisons. If you're not familiar, si vous ne l'êtes pas, if you've just been invited here by a friend perhaps today, si vous avez juste été invité ici par un ami, or you received a flyer and you're here through curiosity, et où vous avez reçu donc l'invitation et vous êtes venu juste par curiosité, I want to let you know a few things. J'aimerais vous faire connaître certaines choses. The main one is the style of presentation. La première, la principale, c'est que le style de présentation, I'm sure is not the same as you're used to. Je suis sûr ce n'est pas le même style de présentation auquel vous êtes habitué. For one thing, we use a whiteboard, we use graphical representations. Parce que déjà une chose, nous utilisons des tableaux blancs pour faire des graphiques. And as much as you're willing to, et autant que vous le souhaitez, I like to have an interactive discussion. J'aurais souhaité avoir donc une conversation interactive avec vous. And then we probably have different views of things. Et certainement nous avons des points de vue différents. And I hope that if we do have a discussion, et j'espère que si nous avons cette discussion, the people won't abuse the privilege of being able to do that. Nous n'allons pas abuser de ce privilège de dialoguer ensemble. The people won't use this opportunity to talk to each other as a platform to share their own agenda, their own thoughts. Et comme ça, les personnes ne vont pas utiliser cette plateforme pour véhiculer leurs propres pensées ou agenda. But I do think it's useful for us to ask questions of one another. Mais je pense que c'est très utile que nous puissions poser des questions. More specifically, I ask the questions, you answer. Et donc, plus précisément, je pose la question et vous répondez. It's our hope that we'll have an opportunity for questions and answers. Et nous espérons que nous aurons donc une opportunité de faire donc une session questions et réponses. We'll see how the day goes. Et nous allons voir comment donc la journée s'écoule. I'm hoping that you're all familiar with the schedule for this week. Et j'espère que vous êtes content de l'agenda que nous avons pour cette semaine. We have four presentations today and three tomorrow. Donc nous avons aujourd'hui quatre présentations et demain nous en avons trois. And then one presentation from Monday to Friday in the evening. Et nous avons donc une présentation de lundi à vendredi le soir. And that time will be 6. Et ça sera à 6 heures. And then next Sabbath will be our last day together. Et sabbat prochain, ça sera notre dernière réunion ensemble. Which we're hoping will be another full day. Et là, nous espérons que ce sera une journée remplie. I appreciate for many of you that's probably a lot more studying, or you might call it a sermon, than you're used to. Et pour certains d'entre vous, ça sera plus une étude qu'un sermon auquel vous êtes habitué. But I hope you'll find it engaging and interesting. Mais j'espère que vous allez trouver cela très engageant et intéressant. Is the air conditioning on? Est-ce que l'air conditionné est allumé? Some people are looking hot. Okay, parce qu'on a un peu chaud. So, our studies are going to be from Daniel and Revelation. Donc notre étude sera basée sur Daniel et l'Apocalypse. We're going to use the Bible and spirit of prophecy. Nous allons utiliser donc la Bible et l'esprit de prophétie. But it also relies upon some level of understanding from yourselves. Mais cela dépend aussi d'une compréhension que vous avez vous-même. About history. Sur l'histoire. Adventist history. L'histoire de l'adventisme. Biblical history. Et aussi les histoires bibliques. I know often we're not very familiar with these things. Et je sais que souvent nous ne sommes pas trop familiers avec ce genre de choses. So if people are not sure about the history, I'll try to fill in gaps. Donc si les personnes ne sont pas très sûres de l'histoire, on va essayer de remplir les trous. I do want to say. Mais j'aimerais vous dire.
If you go on the internet, si vous allez sur internet, or I'm sure in the conference churches here you have seminars, ou dans les églises de la fédération où vous avez des séminaires, that deal with end time prophecy, qui parlent donc des prophéties de fin de temps. Many ministries, many pastors, many individuals talk about end time prophecy. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de pasteurs qui parlent donc des prophéties de fin de temps. And often, et souvent, people like yourselves, les personnes telles que vous, ask the question, vous posez les questions. What's the difference between what you're saying and what other people are saying? Quelle est donc la différence entre ce que tu dis et ce que disent les autres personnes? So I don't think it's that easy for me to explain that at the beginning. Et au commencement, ce n'est pas très simple pour moi de l'expliquer. But as time goes on, you'll see what the similarities and the differences are. Mais alors que le temps va progresser, vous allez comprendre et voir quelles sont les différences et les similitudes. But one thing that you will notice, mais une chose que vous allez remarquer, unlike most people who deal with end time prophecy, comme les personnes qui traitent des prophéties donc de fin de temps, we don't do two things. Nous ne faisons pas deux choses. I'm not going to have a catalogue of all the bad things that are happening in our church. Donc contrairement à ces personnes, on n'aura pas un catalogue qui liste toutes les mauvaises choses qui se passent à l'intérieur de l'église. I have no interest in the good things or the bad things, more often the bad things that the church is doing. Nous ne sommes pas intéressés par les bonnes choses ou le plus souvent les mauvaises choses que l'église commet. So this is not an attack upon the church. Là, ce n'est pas du tout une attaque sur l'église. The second thing that you'll notice, et la deuxième chose que vous allez remarquer, is that we don't focus at all, nous ne nous concentrons pas du tout, on conspiracy theories, sur les théories de conspiration. And that issue, et cette question, normally forms the foundation of most end time prophetic presentations. Et ces choses, en principe, sont la base donc de ces personnes qui prêchent souvent sur les prophéties de fin de temps. People will focus upon all these conspiracies about the one world government. Donc ces personnes sont vraiment concentrées sur toutes les conspirations d'un gouvernement mondial. I want to begin by a thought. J'aimerais donc commencer par une pensée. That for some people, que pour certaines personnes, they just fundamentally don't agree with. Pour certaines personnes, cette pensée, elles sont totalement en opposition. Especially if they read a lot of conservative Adventist material. Et particulièrement si ces personnes lisent beaucoup de matériel ou de livres donc de conservateurs adventistes. And it's this. Et cette pensée est celle-ci. You'll see that many conservative presenters. Vous allez voir que plusieurs présentateurs conservateurs. Teach that our church enseigne donc que notre église has been infiltrated by Jesuits. A été infiltrée par les jésuites. And I'm saying, et moi je dis, people cannot give any shred of evidence for that. Les personnes ne peuvent pas donner une seule pièce de preuve pour cela. Except conspiracy theories. Sauf en se basant sur des théories conspirationnistes. And I would challenge anybody. Et je vais mettre au défi quiconque. To show from inspiration. De me montrer à partir de la Bible ou l'inspiration. God's people have been infiltrated by enemies. Que le peuple de Dieu a été infiltré par des ennemis. There is no prophetic history in the Bible for this. Il n'y a aucune histoire dans la Bible par rapport à cela. There is nothing in the spirit of prophecy to indicate this. Et également, il n'y a rien dans l'esprit de prophétie qui indique cela. And yet many people, et pourtant, beaucoup de personnes, who speak on these subjects, qui parlent de ce sujet, the cornerstone of their message, la pierre angulaire donc de leur message, is that the reason why our church has lost its direction is because of the Jesuits. Et la raison pour laquelle l'église a perdu sa direction, c'est en raison de cette infiltration des jésuites. Some people even go as far as to try and identify individuals who are Jesuits. Et des personnes vont encore plus loin en identifiant des personnes qui sont jésuites. So, I don't know what your thoughts are on this subject. Je ne sais pas quelles sont vos pensées sur ce sujet. But I'm laying out my understanding. Mais je vous présente donc ma compréhension. So that we're all clear. Afin que nous soyons tous au clair. That I don't believe in a Jesuit infiltration in our church. Que je ne crois pas du tout à l'infiltration des jésuites à l'intérieur de notre église. Because such a situation cannot be shown in scriptures. Parce qu'une telle situation ne peut pas être démontrée dans les écritures. You have to go to the enemy. Il vous faut aller donc vers l'ennemi. Or conspiracies. Ou vers les conspirations. To try and defend that logic. Pour défendre cette logique.
And this brings us to another point. Et cela nous conduit vers un autre point. Is how do we study? C'est comment étudions-nous? How do we read our Bibles? Comment lisons-nous notre Bible? What rules, what systems, what methods do we use? Quelles sont les règles, quels systèmes, quelles méthodes utilisons-nous? So another point that you'll notice as we go through this week. Et un autre point que vous allez remarquer alors que nous parcourons cette semaine ensemble. Is that we focus a lot upon rules. C'est que nous nous concentrons beaucoup sur les règles. And methods. Et des méthodes. Of how to study. Sur la façon d'étudier. I don't have set notes. Je n'ai pas des notes. I prefer to have a discussion with people. Je préfère avoir donc une discussion avec des gens. And our studies will, the direction, I have some idea, but the direction will depend upon how you and I interact. Donc la direction va diriger sur notre interaction. So hopefully we're going to enjoy our presentations and studies together. Donc j'espère que nous allons apprécier notre discussion, notre étude ensemble. That's the introduction that I wanted to give to us. Ça c'est l'introduction que je voulais vous faire. Let's turn to 2 Peter. Allons maintenant dans 2 Pierre. Chapter 1. 2 Pierre 1. The introduction of chapter 1. Donc l'introduction du chapitre 1. We'll read verse 1 and 2. Nous allons lire les versets 1 et 2 de 2 Pierre 1. Simon Pierre, alors 2 Pierre chapitre 1, le verset 1 et 2. Simon Pierre, un serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont obtenu avec nous la même foi précieuse par la droiture de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Grâce et paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verse 4. Le verset 4 maintenant. Par lesquelles nous sont données d'excessivement grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous soyez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. So we see in verse 4. Au verset 4, nous voyons. It begins by the word in the English whereby. Que ça commence par par lesquels. This word whereby. Ce mot là. What does this mean? Qu'est-ce que cela signifie? Does anybody know what that word means? Est-ce que quelqu'un signifie par lesquels? Quel mot vous avez au verset 4? Lesquels, OK. So, par lesquels, au verset 4, qu'est-ce que ça veut dire? Can't tell me what it says. So, no, I ask them which words they have. Oh, okay. So, it's quite the same. So, they're talking about glory and virtue. Okay, the first word says whereby. Donc, le premier mot dit par lesquels. And this word means through these things. Ça veut dire à travers ces choses. By these things. Ou par ces choses. So the things that he's talking about. Les choses dont il fait mention. Are the things that are in verses 1, 2 and 3. Sont les choses qui sont mentionnées dans les versets 1, 2 et 3. So through these things. À travers ces choses. We've been given great and precious promises. Il nous a été donné de grandes et de précieuses promesses. By these things. Par ces choses. When it says that by these things, quand il nous est dit donc par lesquels ou par ces choses, exactly the same thought as at the beginning of the verse. C'est les mêmes pensées qu'au commencement du verset. So he repeats his statement. En fin de compte, il répète sa citation. It's by these things that we have what? Et c'est par ces choses que nous avons quoi? The promise, assurance. And what is this promise? So, quelles sont ces promesses?
That we will be partakers of what? Que nous serons participants de quoi? Divine nature. The nature of God. Nous serons participants de la nature de Dieu. So through these promises, donc à travers donc ces promesses, the ones that he's spoken about, celles dont il fait mention, from verses 1 to 3, à partir du verset 1 à 3, the promises, les promesses, that we will partake, les promesses que nous serons participants, of the divine nature, de la nature divine. What does it mean to partake? Qu'est-ce que ça veut dire être participant? It means to share. Ça veut dire partager. So we will share. Donc nous allons partager. In God's nature. La nature de Dieu. And once we've shared that. Et lorsque nous partageons cela. What have we escaped? Nous avons échappé à quoi? It says in the rest of the verse. Sin. So we've escaped the corruptions. Nous avons échappé donc à la corruption. That are in the world. Qui est dans le monde. And how are we corrupted? Et comment sommes-nous corrompus? Covetousness. For the sin. How are we corrupted? It's in the verse, the last c'est, part of the verse. C'est la dernière partie du verset. Convert. We're corrupted by... Nous sommes not converted, corrupted. How do you say converted? Non, corrompu. Corrompu. Yeah. Corrupted. Yeah. So we're corrupted by... Nous sommes corrompus par... Lust. Par les désirs. Can we see that? Vous le voyez? So there are these promises. Donc voici ces promesses. And these promises allow us to take or share the divine nature. Et ces promesses nous permettent de partager ou être participant de la nature divine. And when we partake of this divine nature, when we share it, et lorsque nous sommes participants de cette nature divine, lorsque nous la partageons, we will have escaped. Nous avons donc échappé. What? Nous avons échappé à quoi? Corruption. How does the world corrupt? Et comment le monde est-il corrompu? By the sin. By lust. Par les désirs corrompus, on va dire. It doesn't have the same word? Non, covetousness. So it's through lust. Donc c'est sur les désirs that we're corrupted. Que nous sommes donc corrompus. And we can escape this corruption. Et nous pouvons échapper à cette corruption. When we are sharers of the divine nature. Lorsque nous sommes participants de la nature divine. Now the question we want to ask ourselves. Donc la question que nous devrions nous poser. When do we share in this nature? Quand est-ce partageons-nous cette nature? If we think of your experience right now, si vous pensez à votre expérience maintenant, and I said past, je dis passé, present, présent, future, et futur, when would you share in the nature of God? À quel moment partageriez-vous la nature de Dieu? In the past, present, or future? Dans le passé, dans le présent ou dans le futur? All of us, tous un chacun. If we went to past when we were born, si nous allons dans le passé au moment où nous sommes nés, I think we'd all agree that we weren't sharing God's nature then. Je pense que nous serions tous d'accord pour dire qu'à ce moment-là, nous ne partageons plus pas la nature. So de when Dieu. Do we share this nature in the present or in the future? Alors, à quel moment avons-nous cette nature dans le présent ou dans le futur? In the future. So most people say in the future. Donc la majorité des personnes disent dans le futur. Part of our studies. Une partie de notre étude. We want to demonstrate and show. Nous voudrions démontrer et montrer. Only through scripture and spirit prophecy. À travers donc la Bible et l'esprit de prophétie uniquement. That model. Que ce modèle. Isn't correct. N'est pas correct. Let me just give you one thought. Laissez-moi partager avec vous une pensée. It's not the only place that you find it, but in John 15. Mais ce n'est pas le seul endroit où vous le trouvez, mais si on va dans Jean 15. Jesus gives a story or an example of a vine. Jésus donne l'exemple ou donne une histoire de la vigne. And he talks about abiding. Et il nous parle d'un liage. And who's supposed to abide? Et qui est supposé lier? He says, we're supposed to abide in him. Il dit, nous devons demeurer, à lui. And he's going to abide in us. Et lui, il va demeurer en nous. Is that past, present or future? C'est le présent, le futur. C'est le passé, le présent ou le futur?
So we know that's present. Nous savons qu'il s'agit là du présent. Because otherwise we wouldn't be Christians. Parce que sinon nous ne serions pas chrétiens. If we weren't abiding with Christ. Si nous ne sommes pas, si nous ne demeurons pas en Christ. So what does abiding in mean? Donc qu'est-ce que le fait de demeurer signifie? Because the Bible doesn't say abiding with. Parce que la Bible ne dit pas demeurer avec. Now you're with people in this room. Parce que dans cette salle là, vous êtes avec des gens. So the word with and in are different. Parce que le mot avec et dans, ce mot là est différent. So when we think about in, donc lorsque nous pensons au mot dans, I think, je pense, it introduces this idea of marriage. Ça introduit donc l'idée du mariage. What do I mean? Qu'est-ce que je veux dire par cela? Because when you're married, parce que lorsque vous êtes marié, two people, lorsque deux personnes se marient, what do they become? Que deviennent-elles? They become one. Elles deviennent une seule chair, un. One flesh. Une seule chair. One thought. Une seule pensée. One movement. Un seul mouvement. One action. Une seule action. In fact, Paul understands this. En fait, Paul y comprend cela. And he says, no man. Et il dit aucun homme. Hurts himself. Ne se blesse lui-même. Because he wants to protect himself. Parce que l'homme veut se protéger lui-même. And what does he say that for? Mais pourquoi dit-il cela? Because he's teaching men. Parce qu'il est en train d'enseigner des hommes. How to treat their wives. De quelle façon ces hommes doivent traiter leurs femmes. If a man would protect himself. Si un homme veut se protéger. What would he do with his wife? Que doit-il faire avec sa femme? He'd protect her. Il va la protéger. He wouldn't do what Adam did. Il ne va pas faire ce qu'il va. He wouldn't. He would not. Il ne fera pas ce qu'Adam a fait. Because what does Adam do when he gets into trouble? Parce qu'est-ce que Adam a fait lorsqu'il a été en problème? Does he protect his wife? A-t-il protégé sa femme? No. No. He blames her. Il l'a blâmée. So you can see they're separated now. Donc vous pouvez voir qu'ils sont séparés maintenant. Before they were one. Avant, ils ne constituaient qu'une seule personne. So when did they become one? Donc quand est-ce sont-ils devenus un? What day? Quel jour? Day number six. Le sixième jour. When they married. Quand ils se sont mariés. So when we abide in Christ. Donc lorsque nous demeurons en Christ. We're human. Nous sommes humains. And Christ is. Et Christ il est. Divine. Il est divin. So you have the human and the divine come together. Donc vous avez cette union avec le divin et l'humain. The divine comes in you. Le divin vient en vous. And you think like the divine. Et vous pensez comme le divin. And does that happen in the present or the future? Est-ce que cela se passe dans le présent ou dans le futur? We all agree John 15 is in the present. Nous sommes tous d'accord que Jean 15 est au présent. So when you partake, donc quand vous êtes participant, and you share, et que vous partagez, in the divine nature, cette dans la nature divine, we're saying the divine nature comes in us. Nous disons donc que la nature divine vient en nous. Isn't that called a new heart? Cela ne s'appelle-t-il pas un nouveau cœur? I think that's what the new heart is, isn't it? Et je pense que c'est ce qu'est le nouveau cœur, n'est-ce pas? Or in Hebrews chapter 8, ou bien dans Hébreux 8, Paul says, Paul nous dit, write in the law in the heart. D'écrire donc la loi à l'intérieur du cœur. I'll put my laws in your heart. Je place ma loi dans votre cœur. What is the law, human or divine? Qu'est-ce que la loi? Est-elle humaine ou divine? Divine. Elle est divine. So if the law is in your heart, donc si la loi est dans votre cœur, are you partaking, are you sharing with that nature? Est-ce que vous êtes participant ou partagez cette nature? Present or future? Est-ce présent ou est-ce futur? Present. C'est présent. So first, 2 Peter chapter 1 verse 4. Donc 2 Pierre 1:4. These promises. Ces promesses. Will allow us vont nous permettre to share in God's nature. De partager donc la nature de Dieu. What is a promise? Qu'est-ce que la promesse? If I promised you something. Si je vous promets quelque chose. Have you got it yet? Est-ce que vous l'avez déjà reçu? No. Non. So with these promises. Avec ces promesses. It's before you get the thing. C'est ces promesses avant que vous ne receviez la chose. What is the thing? Mais quelle est donc cette chose? In verse 4. Au verset 4. The divine. La. The divine nature. La nature divine. So. The promise is that you will get the divine nature. La promesse est que vous allez recevoir la nature divine.
Hopefully we've all agreed. Et j'espère que nous sommes tous d'accord. The divine nature. Que cette nature divine. Is a present experience. Est une expérience présente. Present as Christians. Présente comme les chrétiens. So the promise. La promesse. Who's the promise for? Pour qui est-elle cette promesse? Christians or non-Christians? Est-elle pour des chrétiens ou pour des non-chrétiens? Non-Christians. C'est pour les non-chrétiens. So when you are lost without God, donc quand vous êtes perdu sans Dieu, He gives you a promise. Il vous a donné donc une promesse. What's the promise? Quelle a été cette promesse? If you come to me, si vous venez à moi, I'll give you a new heart. Je vais vous donner un nouveau cœur. And I will put that law in your new heart. Et je vais placer cette loi dans votre nouveau cœur. Divinity, la divinité, will combine with humanity. Va se combiner avec l'humanité. And that is to share the divine nature. Et cela signifie partager la nature divine. And hopefully we agree now. Et j'espère que nous sommes d'accord maintenant. This should be in the present. Que cela doit se passer dans le présent. Not the future. Et non pas dans le futur. I suspect. Je suspecte. That the reason why people said in the future, que la raison pour laquelle les gens placent cela dans le futur, because in the side of this room, parce que dans une pièce telle que celle-ci, there's a large mirror. Il y a beaucoup de miroirs. And if you look in that mirror, et si vous regardez à ce miroir, you're going to look at yourself. Vous allez vous regarder à vous-même. And when you look at yourself, et quand vous regardez, most of the time we don't like what we see. La majorité du temps nous n'aimons pas ce que nous voyons. And you look at yourself. Et quand vous regardez à vous-même. And you say, I don't partake of the divine nature. Vous dites je ne suis pas participant de la nature divine. So people put it into the future. Donc c'est pour ça que les personnes le placent dans le futur. Because we're not having the experience that God wants us to today. Parce que nous n'avons pas cette expérience que Dieu souhaite que nous ayons aujourd'hui. But logic. Mais la logique, and these verses that we've just read, et ces versets que nous venons de lire, show you, nous montrent, the experience is in the present, not the future. Que l'expérience se place dans le présent et non pas dans le futur. I'll demonstrate now. Et je vais démontrer maintenant. We read verse 4. Nous avons lu le verset 4. If we were to read down, s'il nous fallait donc lire les autres versets, I'm just going to quickly paraphrase. Je vais donc paraphraser rapidement. Verse 5. Le verset 5. It says, add to your faith virtue. Il nous dit d'ajouter à notre foi la vertu. Virtue, knowledge. À la vertu, donc la connaissance. Knowledge, temperance. À la connaissance, la tempérance. Temperance, patience. À la tempérance, la patience. Patience, godliness. Et à la patience, la piété. Godliness, brotherly kindness. Et à la piété, la bonté fraternelle. Brotherly kindness, et charity. Et la bonté fraternelle, la charité. So if all of these things, si toutes ces choses, abound in you, demeurent en vous, they make you, donc elles vous rendent, we'll read verse 8. On va lire le verset 8 de Pierre 1, de Pierre 1, 8, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez ni inefficaces, ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Who of you here is barren? Qui d'entre vous a été enterré? Don't have to put your hand up. Donc ne levez pas la main. Who of you is unfruitful? Qui a été donc non productif? Now we know what God's will is. Et nous savons ce qu'est la volonté de Dieu. As a Christian, we're not supposed to be barren and we're not supposed to be unfruitful. Barren et stérile, without excuse. Donc en fin de compte, je me suis trompée. Qui d'entre nous sommes stérile, parce que en tant que chrétien, nous ne devons pas être improductifs et stériles. What does it say? What's the barren? Which verse? Eight. We read eight. Inefficace, not efficient. Yeah, that's good. Okay. So, I'm saying. Donc je vous dis. That verse 8 is the conclusion of verses 5, 6 and 7. Je vous dis que le verset 8 est la conclusion des versets 5, 6 et 7 de 2 Pierre 1. Verse 5. Le verset 5. Says what? Qu'elle nous dit le verset 5? We'll read verse 5. Nous allons lire ce verset 5. En outre, y apportant toute diligence, ajoutez à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. What's the first part of the verse say? Que nous dit la première partie du verset? And besides all of this. Par rapport au-delà de tout cela. It says, il nous dit, because you have this blessing, parce que vous avez reçu cette bénédiction,
Besides this blessing, au-delà de cette bénédiction, you should do all of these things. Vous devriez faire toutes ces choses. So we know, nous savons donc, that we're supposed to be temperate, we're Adventists. Que en tant qu'Adventistes, nous devrions être tempérants. Are we supposed to be patient today or in the future? Devrions-nous être patients aujourd'hui ou dans le futur? Now, c'est maintenant. The obvious. C'est are we supposed évident. To have brotherly love today or in the future? Et la bonté fraternelle, est-ce tout aujourd'hui ou dans le futur? Today. It says in verse 5. Au verset 5, il nous est dit. Because. Parce que. You have experienced verse 4. Parce que, en raison de votre expérience exprimée au verset 4. Because you are sharing in God's nature and have escaped the corruption. Parce que vous êtes participant de la nature divine et que vous avez échappé à la corruption. It tells you how to behave. Il vous dit donc maintenant comment vous comporter. And then verse 8. Et au verset 8. Says if you behave this way. Il nous dit si vous vous comportez de cette façon. You will not be barren. Vous ne serez idle, pas inefficace ou stérile. And you will not be without fruit. Et vous ne serez pas sans fruit. So if you want to push these things to the future. Donc si vous voulez placer ces choses dans le futur. Then you're saying. Vous êtes en train donc de dire. That you haven't escaped the corruption of the world. Que vous n'avez pas échappé à la corruption du monde. And you're saying. Et vous êtes en train de dire. You're not sharing in God's nature. Que vous ne participez pas à la nature de Dieu. You're saying. Vous êtes en train de dire. You're not born again. Que vous n'êtes pas né de nouveau. And everyone can realize. Et chacun ici peut réaliser. That's not a good position to be in. Que ce n'est pas une bonne place où il faut être. Especially. Et particulièrement. If you're a baptized Seventh-day Adventist. Si vous êtes déjà baptisé Adventiste du septième jour. This is the reason. C'est la raison. We deal with end-time prophecy. Nous parlons donc des prophéties de fin de temps. It's to address one issue. C'est pour aborder un seul point. How to resolve the dilemma. Comment résoudre le dilemme. The many of us. Que plusieurs d'entre nous think things are going to happen in the future pensent que ces choses vont se passer dans le futur when they're supposed to be a present day experience. Alors que ces choses devraient être donc une expérience quotidienne. And the reason is, et la raison est que because we're not having that experience today. C'est parce qu'aujourd'hui nous ne possédons pas cette expérience. And my question, et ma question, it's a rhetorical question, c'est une question rhétorique, is why are you not having this experience today? C'est pour quelle raison ne possédons-nous pas cette expérience aujourd'hui? And my understanding, my answer, et ma réponse, ma compréhension, is that we are not experiencing the everlasting gospel. C'est que nous n'avons pas expérimenté l'évangile éternel. Because we don't actually understand what that is. Parce que nous ne comprenons pas ce qu'est l'évangile éternel. And how it works. Et comment cela fonctionne. Before we carry on in 2 Peter, avant de poursuivre dans 2 Pierre 1, one of the accusations that we have, that I have, donc l'une des accusations qui m'est souvent portée, that I have leveled against me, des accusations qui sont formulées contre moi, is that there's too much information. C'est que je donne trop d'informations. And the gospel is supposed to be easy. Et l'évangile est supposé être quelque chose de simple. My response is almost always this. Et ma réponse est quasiment toujours celle-ci. If the gospel was easy, si l'évangile était simple, why does God, pourquoi Dieu, use almost 1,500 pages to explain it? A utilisé plus de 1000 pages pour l'expliquer. If it's that simple, he could have done it in a few pages. Si c'est aussi simple, il aurait pu l'expliquer en quelques pages. Worse than that, mais pire que cela, he then gives us Ellen White. Il nous a donné en plus Ellen White. Or Moses. Ou bien Moïse. And he adds to this information. Et en plus, il a ajouté encore d'autres informations. And if you put all of Ellen White's writings together, et si vous mettez tous ensemble les écrits d'Ellen White, it's probably double, if not treble, what the Bible is, just in pages. C'est en pages le triple de ce que représente la Bible. It's probably much more than that. Peut-être même plus que cela. So the first thing I want us to see, donc la première chose que j'aimerais que vous voyez, is when people say there's too much information, quand les personnes disent qu'il y a trop d'informations, they use often the word that it's too intellectual. Ils utilisent aussi le mot c'est trop intellectuel. My response is. Ma réponse est. It can't be that simple because God it takes God thousands of pages to explain it to us. Ça peut pas être cela parce que Dieu a pris a utilisé des milliers de pages pour donc nous l'expliquer. And the second argument. Et le deuxième point.
which is perhaps a bit more philosophical, qui est peut-être un peu plus philosophique. The Bible says, la Bible déclare, you have to sell everything. Tu dois tout vendre. You have to give up everything. Tu dois abandonner toutes choses. To get this treasure. Pour obtenir ce trésor. What is giving up everything? Qu'est-ce que ça signifie tout abandonner? I don't know what people here think about education. Et je sais pas de la quelle façon si les personnes pensent de l'éducation. But in some places that I go to across the world. Mais dans certains endroits où je vais de par le monde. Some cultures. Dans certaines cultures. They are focused on education. Ils sont vraiment concentrés sur l'éducation. I was recently in one place. Et récemment, j'étais dans un pays. And the congregation was larger than this one. Et l'assemblée était beaucoup plus grande que celle-ci. Maybe about 10-15 people more. Il y avait peut-être 10 ou 15 personnes en plus. And nearly every single person. Et presque chaque personne. Was either a doctor or a medical student. Était soit docteur ou un étudiant en médecine. They're all Adventists. Et ils étaient tous adventistes. Interested in end time prophecy. Intéressés dans les prophéties de fin de temps. And one thing they know. Et une chose qu'ils savent. Is that if you want to become a doctor. C'est que si vous voulez devenir un docteur. It costs you. Cela vous demande beaucoup. Not just monetarily wise, non seulement de l'argent, but it costs you everything. Mais ça vous demande de tout laisser. Because it challenges your mind. Parce que cela met au défi votre esprit. And it takes a lot of your time and effort and energy. Ça prend beaucoup de temps, de votre effort, de votre énergie. All of you know that because you've all been to school. Et tout le monde ici, vous le savez parce que nous avons tous été à l'école. And you've all done your high school education. Et vous avez tous fait vos études secondaires. And if you're not too old, you remember how stressful that was. Et si vous l'avez pas fait, rappelez-vous pour ceux qui l'ont fait comment c'était stressant. Religion, Christianity. La religion, la chrétienté. Is not free. Ce n'est pas gratuit. You can't buy your way to heaven. Vous ne pouvez pas acheter votre chemin pour aller au ciel. But it's extremely demanding. Mais cela exige beaucoup de vous. Not just demanding in the sense of being nice to one another. Non seulement ça exige que vous soyez sympa, gentils les uns avec les autres. But it demands. Mais cela requiert. Your focus, your intelligence. Votre intelligence, votre concentration. So you'll see that we speak a lot about dates and history. Donc vous allez voir que nous parlons beaucoup de dates et d'histoire. Because if you don't understand about history. Parce que si vous ne comprenez pas l'histoire. You don't understand. Vous ne comprenez pas. How to gain eternal life. Comment obtenir donc la vie éternelle. Let's read 2 Peter chapter 1. On va lire donc 2 Pierre 1. From verse 12 to 15. On va lire les versets 12 à 15 de 2 Pierre 1. Ah oui. Yep. 2 Pierre 1, 12 à 15. C'est pourquoi je ne manquerai pas à vous faire toujours souvenir de ces choses, quoique vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, je crois qu'il est approprié, aussi longtemps que je suis dans ce tabernacle, de vous inciter à les avoir en mémoire. Sachant que je dois bientôt le quitter, mon tabernacle, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. De plus, je ferai de mon mieux pour que vous puissiez, après mon décès, vous souvenir toujours de ces choses. I'm just looking for a Bible verse before I comment on this. Avant de commenter sur cette lecture, je cherche un verset biblique. Verse 12. Le verset 12. We saw. Nous avons vu. Up to verse 8. Jusqu'au verset 8. That you have to experience these things. Qu'il vous faut donc expérimenter ces choses. Once you've received the divine nature. Dès que vous avez reçu la nature divine. We skipped from verse 9 to 11. Nous avons passé les versets 9 à 11. But 9 to 11. Mais les versets 9 à 11. Particularly verse 9. Et particulièrement le verset 9. It talks about another group. Ça nous parle d'un autre groupe. We'll read the first part of verse 9. On va lire la première partie du verset 9. Mais celui en qui ces choses font défaut est aveugle. He that lacks these things is blind and cannot see. Donc, mais celui qui, en qui ces choses font défaut est aveugle et ne voit pas de loin. So, is this person blind? Est-ce que cette personne est aveugle? Yeah. So, the person in verse 9 is blind. La personne au verset 9 est aveugle. The person in verse
4, 5, 6, 7, and 8. La personne décrite dans les versets 4, 5, 6, 7 et 8. They're the opposite of blind. Elles sont opposées de la, c'est l'opposé de la cécité. So they can what? They can see. Donc ces personnes, elles ne sont pas aveugles, elles peuvent voir. Yeah. Oui. So there's two people. Donc là, nous avons deux personnes. One person that can see. Il y a une personne qui peut voir. And one person that's blind. Et il y a une personne qui est aveugle. Verse 10. Le verset 10. This person that's blind. Cette personne aveugle. What has he forgotten? Qu'a-t-elle oublié? He's forgotten that he was washed. Elle a oublié qu'elle avait été lavée. Purged. Elle a été purgée. Purge means all the bad things have been taken out. Ça veut dire purger, toutes les mauvaises choses ont été ôtées. When does that happen? Quand est-ce que cela a-t-il lieu? When are you purged? Quand est-ce êtes-vous purgé? From your sins. De vos péchés. Baptism. Au baptême. Yeah. So once you're baptized, all those sins are passed. Donc quand vous êtes baptisé, tous ces péchés là sont passés, sont purgés. So who's he talking to? Christians or non-Christians? À qui s'adresse-t-il? À des chrétiens ou à des non-chrétiens? He's talking to Christians, isn't he? À des chrétiens, n'est-ce pas? So the whole of this chapter is to Christians. Parce que tout ce chapitre s'adresse à des chrétiens. He says there are Christians who can see and Christians who are blind. Il est en train de nous dire qu'il y a des chrétiens qui peuvent voir et il y a des chrétiens qui sont aveugles. Peter. Oui, non, Pierre, pardon. Is alive when? Est vivant, mais à quel moment? He's alive in the history of Christ, isn't he? Il est vivant dans l'histoire de Christ, n'est-ce pas? The beginning of the Christian dispensation. Au commencement de la dispensation chrétienne. So we'll just draw that. On va juste donc dessiner cela. If this is Moses. Si cela est Moïse. And this is Christ. Et là c'est Christ. And this is us. Et ça c'est nous, N-O-U-S, N-O-U-S. Peter is here. Pierre se trouve là. We agree with that. Vous êtes d'accord avec ça? And how many Christians are there? Et combien de chrétiens y a-t-il? Two types of Christians. Il y a deux types de chrétiens. One that can see. Il y a des chrétiens qui peuvent voir. And one that's blind. Et certains qui sont aveugles. Search the scriptures. Sondez les écritures. Tell me where you find. Et dites-moi où vous trouvez. I'm going to not say Christians. I'm going to say God's people. Je ne vais pas dire chrétiens. Je vais dire le peuple de Dieu. Because that's what the term we should really be using. Parce que c'est le terme qu'il nous faut donc utiliser. God's children, God's people. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Go in the Bible. Allez dans la Bible. Where do you see God's people are blind? Où voyez-vous que le peuple de Dieu est aveugle? So my sister wants to go to the Revelation. Ma sœur veut aller dans l'Apocalypse. She's going to go to Revelation chapter 3. Et allons dans l'Apocalypse au chapitre 3. But Revelation chapter 3. Mais Apocalypse 3. Is that in the time of Christ? Est-ce à l'époque de Christ? Or is it the end? Ou bien à la fin? This is Revelation 3, verse 14 and onwards. Parce que là, il s'agit d'Apocalypse 3, 14 et suivant. And it's a message to the church at Laodicea. Et c'est un message adressé à l'église de Laodicée. So if you start counting. Donc si vous commencez à compter. You have Ephesus. Vous avez donc Éphèse. Smyrna. Vous avez Smyrne. Pergamos. Pergame. Thyatira. Thyatira. Sardis. Sardes. Philadelphia. Philadelphie. Laodicea. Et Laodicée. It's the last church, isn't it? Donc Laodicée, c'est la dernière église, n'est-ce pas? So if this is the first church. Donc si cela c'est la première église. This is the last church. Donc celle-ci c'est la dernière. D-I. Oh, okay. Laodicea is where? Où se trouve Laodicée? Here or here? Au début ou à la fin? It's here, yes? À la fin, n'est-ce pas? So this is Ephesus. Donc au début c'est Éphèse. And this is Laodicea. Et à la fin c'est Laodicée. But here Peter's talking to the people in which history? Mais là Pierre il parle des gens qui sont dans quelle histoire? Here. Qui sont ici. And he says in the church, et God's people. Et il est en train de dire dans l'église, dans le peuple de Dieu. There are people who can see. Il y a des personnes qui peuvent voir. And there are people who are blind. Et il y a des personnes qui sont aveugles. What's the definition of being blind? Quelle est donc la définition d'être aveugle? According to verse 9. Selon le verset 9. First part of the verse. La première partie du verset. But he that. Mais celui en qui. These things. Are not. He that doesn't have the things. C'est cette personne qui n'a pas ces choses.
They're the ones that are blind. Ce sont celles qui sont aveugles. So this blind person. Donc cette personne aveugle. You're gonna write. Yeah, aveugle. So the person who's blind. Not with that one. Cette personne qui est aveugle. So the person who's blind, not the divine nature. Divine nature. Elle n'a pas la nature divine, et là, elle a la nature divine. Can we see that? Est-ce qu'on peut le voir? That's exactly what Peter's saying. C'est exactement ce que Pierre est en train de dire. If you go to heaven, si vous allez au ciel, which nature do you have to have? Quelle nature vous faut-il avoir? So if you want to go to heaven, do you have to see or do you have to be blind? Donc si vous voulez aller au ciel, il vous faut voir ou vous faut être aveugle. These things, the questions are obvious. Donc la question elle est évidente, il nous faut voir. Do you have to escape corruption to get to heaven? Il vous faut donc échapper à la corruption pour aller au ciel. Has this person escaped the corruption that's in the world? Est-ce que cette personne a échappé à la corruption qui se trouve dans le monde? No. Non. So my sister said this blind person is Revelation chapter 3. Donc ma sœur elle a dit que cette personne aveugle c'est Apocalypse 3. Verse 14. Le verset 14 and onwards. Et suivant. I agree with her. Donc je suis en accord avec elle. I don't know if everybody else agrees. Et je ne sais pas si d'autres personnes sont en accord également. But this group of people. Mais ce groupe, cette catégorie de personnes. Are here. Se trouve ici. So what we can begin to see. Ce que nous allons commencer à voir. Is an important principle. C'est un principe important. That has escaped Adventists. Qui a donc échappé aux Adventistes. If you don't use proper methodology, si vous n'utilisez pas la bonne méthodologie, proper rules, les bonnes règles, then you begin to make mistakes. Donc vous allez commencer à commettre des erreurs. And what we think, et ce que nous pensons, is that Laodicea is only here. C'est que Laodicée se trouve uniquement là. Because what we've done, parce que ce que nous avons fait, we've turned Laodicea, nous avons donc changé Laodicée, just into the Seventh-day Adventist Church. Juste, on l'a cantonné à l'église adventiste. And what we haven't realized, et ce que nous n'avons pas réalisé, is that Laodicea, c'est que Laodicée, is a condition, est donc une condition, like a sickness, comme une maladie, which is the sickness of sin. C'est la maladie du péché. So unless you understand how to use the rules of Bible interpretation. À moins de ne comprendre la façon d'utiliser les règles d'interprétation biblique. Your perspective, your approach will always be wrong. Donc votre approche, vos perspectives seront toujours fausses. And if it's wrong, et si c'est faux, you'll get a present experience. Vous aurez donc une expérience présente. And you'll do what to it? Et que ferez-vous de cette expérience? Move it to? Vous allez la déplacer vers the future. Vers le futur. So I'm saying. Donc ce que je suis en train de just dire. Just a surface simple reading of 2 Peter. Donc juste une lecture de surface donc de 2 Pierre 1. Tells you. Nous dit. That in the church. Que dans l'église. In his day and age. Dans son époque. There were people. Il y avait donc des personnes. Who had the experience. Qui avaient donc cette expérience. Of Laodicea. De Laodicée. They were blind. Ces personnes étaient aveugles. And at the same time, et en même temps, there were people, il y avait des personnes, who weren't Laodicea, qui n'étaient pas Laodicée, but they were Ephesus, qui étaient donc Éphèse, and they could see, parce que ces personnes, elles pouvaient voir, this person, ces personnes, has escaped, ont échappé. What? What's mais he escaped? Elles ont échappé à quoi? He's escaped from the world. Elles ont échappé du monde. Remember Lot? Rappelez-vous Lot. He escaped from Sodom. Il a échappé de Sodome. Remember his uncle? Rappelez-vous son oncle. What's his uncle's name? Quel est donc le nom de son oncle? Abraham, good. He escaped from where? D'où a-t-il échappé, lui? Babylon. De Babylone. He came from Ur of the Chaldees. Il venait de Dur en Chaldée. So, let me ask you a question. Has everybody heard of this message? Donc, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que quelqu'un a entendu ce message? Come out of her, my people. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. We've all heard that. Nous avons tous entendu parler de Revelation 18, verse 4. Apocalypse 18, 4.
What is her? C'est qui elle? Who is the her? C'est qui elle? Babylon. Babylon. We think that's a new story. Nous pensons qu'il s'agit d'une nouvelle histoire. What did God tell Abraham? Que Dieu a-t-il dit à Abraham? Come. Come out of her. Sors du milieu d'elle. My people. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. And what did Abraham's brother say? Et qu'est-ce que le frère d'Abraham a dit? No. Il a dit non. I'll stay in Babylon. Moi, je reste à Babylone. And Abraham took his wife. Donc Abraham a pris sa femme. His nephew. Son neveu. And he took everything. Et il a tout pris. In his possession and left Babylon. De tout ce qu'il possédait, il a quitté Babylone. And where did he go? Mais où a-t-il été? To the promised land. Vers le pays promis. But there were problems. Mais il y avait des problèmes. So he wandered in Egypt for a while. Donc il a été pendant un moment en Égypte. These stories are repeating stories. Donc ces histoires, c'est juste des histoires qui se répètent. That's a simple example. C'est juste un exemple simple. To show you. Pour vous montrer. The story of end time prophecy. Que les histoires qui touchent à la fin du monde. Is found where? Où les trouvons-nous? In the Old Testament stories. On les retrouve dans les histoires de l'Ancien Testament. All of us know this. Et nous tous nous avons remarqué. Because perhaps one of the most famous prophecies. Parce que peut-être l'une des prophéties les plus fameuses. Keep your hand in 2 Peter. Donc restons, mais gardez un doigt dans 2 Pierre. Matthew 24. Allons maintenant dans Matthieu 24. We all know this passage. Nous connaissons tous ce passage. Verse 24, 37. Le verset 37. Matthieu 24, verset 37. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. So it clearly says. Ici nous est dit de façon claire. The end of the world. Que la fin du monde. Is going to look like what? Va ressembler à quoi ressemblera la fin du monde? Days of Noah. Looks like the days of Noah. Ça va ressembler aux jours de Noé. So it's something that we all know. Et c'est quelque chose que nous savons tous. So if you want to see what it's going to be like at the end of the world. Donc si vous voulez voir à savoir à quoi va ressembler la fin du monde. You just go. Vous allez juste. To the story of Noah. Vous allez juste dans l'histoire de Noé. If you're taking notes. Et si vous prenez des notes. I'm not going to read this. Je ne vais pas le lire. We may read it later. On va le lire après. Luke. Luc, chapter 17, 17, verse 26. Verset 26. Luke 17, 26 is the same verse as Matthew 24, 37. Luc 17, 26, c'est le même verset que Matthieu 24, 37. The wording is slightly different. Les termes sont légèrement différents. But it teaches the same principle. Mais cela enseigne donc le même principe. So, They were two simple examples. Il y a deux exemples très simples. That the story of Abraham. Que l'histoire d'Abraham. The story of Lot. L'histoire de Lot. Those two stories. Ces deux histoires. Are teaching the same thing. Enseignent la même chose. As Matthew 28. Que 24. Matthieu 24. Luke 17. Ou que Luc 17. That the end of the world. Que la fin du monde. It's going to look like these Old Testament stories. Va ressembler à ces histoires anciennes de l'Ancien Testament. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. I gave you three Old Testament stories. Je vous ai donné trois histoires de l'Ancien Testament. I don't know if we're all familiar with this rule. Et je ne sais pas si nous sommes familiers avec cette règle. If you kill someone or hurt someone in the Old Testament. Si vous tuez quelqu'un ou blessez quelqu'un dans l'Ancien Testament. And you get taken to court. Et que vous êtes amené en justice. And they're going to accuse you. Et on va donc vous accuser. You need some evidence. Il nous faut donc des preuves. And often the evidence is the witnesses. Et souvent les preuves ce sont les témoins. If you want to indict someone. Et si vous voulez put them to court. Si vous voulez donc accuser quelqu'un, l'emmener au tribunal. How many witnesses did they need? Combien de témoins avez-vous besoin? It's at least two. Au minimum deux. Upon one testimony, a person cannot be sentenced. Parce que sur un seul témoignage, une personne ne peut pas être jugée. You need two testimonies. Il nous faut minimum. Donc au minimum deux témoignages. So once we understand that. Donc une fois que nous avons compris cela. We understand that that's a biblical rule. Et que nous comprenons qu'il s'agit d'une règle biblique. We can see. Nous pouvons voir. That if we show a principle or a rule more than twice. Que si nous montrons un principe ou une règle plus de deux fois. It's established. Que la chose est établie.
Ellen White would say, Ellen White dira, the Bible speaks of this, et la Bible en parle, upon the testimony of two or three, a thing is established. Sur le témoignage de deux ou trois, une chose est établie. So the story of Abraham is what? Donc, quelle est donc l'histoire d'Abraham? Story about the end of the world. Cela parle donc de l'histoire de la fin du monde. Story of Lot. L'histoire de Lot. Story about the end of the world. L'histoire de la fin du monde. Story of Noah. L'histoire de Noé. Story about the end of the world. L'histoire de la fin du monde. Everybody's heard of Esther. Tout le monde a entendu parler d'Esther. Everybody has heard of the king that she marries. On a entendu parler du roi avec lequel elle s'est mariée. Ahasuerus. Ahasuerus. Do you remember what his wife's name is? Et vous vous rappelez du nom de sa femme? Vashti. The trick question was. Et la question de piège c'était. Which wife? Mais laquelle? Because he has two wives. Parce qu'il y en avait deux. And if you check in the book of Exodus, chapter 20. Et si vous vérifiez le livre d'Esther, verset 20, chapitre 20. What's that? Qu'est-ce que c'est? A man with two wives. Quand nous sommes mariés à deux femmes. Called adultery. Adultery. So the story of Esther. Donc l'histoire d'Esther. Is a story about marriage. C'est une histoire qui traite du mariage. And remarriage. Et du remariage. We read Matthew 24:37. Nous avons lu Matthieu 24:37. We didn't read 38. Nous n'avons pas lu le verset 38. You're familiar with 38. Parce que vous êtes tous familiers avec what cela. What were they doing in the days of Noah? Que faisaient-ils au jour de Noé? Two things. Ils faisaient deux choses. Eating and drinking, number one. Donc premièrement, ils mangeaient et buvaient. The next thing. Et la deuxième chose. Marrying. Se mariaient. And giving in marriage. Et donnaient en mariage. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? Plain French. En français clair. Means adultery. Ça veut dire adultère. Story of Esther. L'histoire d'Esther. Story of adultery. Ça traite de l'adultère. The king doesn't put his wife away because she'd committed some adultery, did she? Donc le roi n'a pas rejeté sa femme parce qu'elle n'a pas commis d'adultère, n'est-ce pas? She hadn't done anything wrong except disobey him. Elle n'a rien fait de mal sauf lui désobéir. Then he wants to have a wife. Mais il voulait avoir une femme. So they say, find another one. Donc il a dû trouver une autre femme. He's breaking all the biblical rules of marriage. Il a donc transgressé toutes les règles bibliques du mariage. So you know. Donc vous savez. Story of Esther. Que l'histoire d'Esther. Is about what? Ça parle de quoi? Adultery. No. It's a story of the end of the world. C'est une histoire de la fin du monde. Because if the story of Noah is about adultery and it's about the end of the world. Parce que si l'histoire de Noé parle d'adultère et porte sur la fin du monde. You know the story of Esther is about the end of the world. Donc vous savez que l'histoire d'Esther aussi parle de la fin du monde. Story of Ruth. L'histoire de Ruth. Have a guess what that's about. Et devinez de quoi cela parle-t-il. End of the world. End of the end. So they're all about the end of the world. Donc tout cela parle du temps de la fin. Ruth. Ruth. What was her nationality? Quelle était donc sa nationalité? Moabite. Elle était Moabite. Moabite. Les Moabites. Is not Israel. Ce n'est pas l'Israël. It's one of those countries in the world. C'était un pays qui était dans le monde. And the world is. Et le monde c'est. Babylon. Le monde c'est Babylone. Where did she come from? Donc d'où venait-elle? Babylon. Elle venait de Babylone. You heard of a phrase called "Come out of her, my people." Vous avez entendu parler de cette phrase qui dit "Sortez du milieu d'elle, mon peuple." She comes out of Babylon. Elle sort de Babylone. And marries who? Et elle se marie avec qui? Boaz. Boaz is who? Mais c'est qui Boaz? Her mother-in-law's kinsman. C'est donc le parent de sa belle-mère. Who's our kinsman? C'est qui sa bon, oui, c'est Naomi. That's the story. Who is our kinsman? Kinsman. Our close relative. Quel est donc notre parent le plus proche? Jesus. C'est Jésus. Jesus has taken that position of our close relative. C'est Jésus, il a pris cette position de notre parent le plus proche. So, Ruth, donc Ruth, who comes out of Babylon, qui est sortie donc de Babylone, is going to marry whom? Va se marier à qui? Boaz. À Boaz. And who's Boaz? Et qui est donc Boaz? Symbol. En tant que symbole. Symbol of Jesus. C'est un symbole de Jésus. So Ruth,
Donc Ruth is a symbol, c'est un symbole of all those people that come out of Babylon, de toutes ces personnes qui sortent de Babylone, his people, donc son peuple, the church, l'église, all these Gentiles that come out of Babylon, tous ces gentils qui sortent de Babylone. Now, these are just surface understandings of these stories. Mais là, c'est juste une compréhension de surface de toutes ces histoires. They go into a lot of detail. Parce que si on y va, il y aura beaucoup de détails. And when you understand the details, et quand vous comprenez les détails, then you begin to understand how end time prophecy works. Alors là, vous commencez à comprendre de quelle façon donc fonctionnent les prophéties de fin de temps. And they're not based upon, et elles ne sont pas basées sur, any conspiracies. Sur aucune théorie de conspiration. They're based upon the word of God. Elles sont basées sur la parole de Dieu. So if I've given you, I think, four stories now. Donc je pense que je vous ai donné quatre histoires maintenant. What must that mean? Qu'est-ce que cela signifie-t-il? Every single story in the Bible. Que chaque histoire dans la Bible. Is about what? Parle de quoi? End time prophecy. Des prophéties de temps de la des prophéties de la fin des temps. The Bible tells you that. La Bible nous dit cela. It says all these things. Il nous dit que toutes ces choses were written for whom? Ont été écrites pour qui? Our admonition. Pour notre admonition. Upon whom the ends of the world have come. Nous sur qui les fins du monde sont arrivées. Who is the R? C'est qui nous? When Paul writes that. C'est pour qui Paul a-t-il écrit ça? It says so Paul is here. Paul se trouve là. And here's all the Old Testament. Voici donc tout l'Ancien Testament. Because there's no New Testament. Parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, n'est-ce pas? He says all of these things. Il est en train de dire toutes ces choses. Donc were written for us. Ont été écrites pour nous. Who's the us? Mais le nous, c'est qui? Because we say it's us. Parce que nous disons que c'est nous. Paul saying it's us. Paul dit que c'est nous. He says all of this. Il est en train de dire que tout cela was for us. A été pour nous. Because what's happened now? Parce qu'est-ce qui se passe maintenant? Upon whom the? Sur qui? Ends of the world have come. Sur qui les fins du temps, sur qui les fins du monde sont arrivées? Was that the end of the world? Est-ce la fin du monde? Yeah, it was the end of the Jewish world. Oui, c'était la fin du monde juif. The disciples knew that. Et les disciples savaient cela. Because Jesus says, when I destroy that temple, parce que Jésus a dit quand je vais détruire ce temple, they said the world must come to an end then. Il dit que le monde ne va pas arriver à sa fin. Because this was the end of the Jewish dispensation. Parce que cela représente la fin de la dispensation juive. And it's an example. Et c'est donc un exemple. Of what's going to happen when. De ce qui se passera mais quand. Us at the end of the world. Pour nous à la fin des temps. This is why you have Laodicea. C'est la raison pour laquelle vous avez Laodicée. And you have Laodicea. Et vous avez également Laodicée. Because this is an example of this. Parce que le premier Laodicée, c'est un exemple du dernier. Upon the testimony of two, a thing is established. Sur le témoignage de deux, la chose est établie. If you've got Laodicea here with us. Si vous avez Laodicée avec nous là. And you've got Laodicea with Christ. Et vous avez également Laodicée à l'époque de Christ. You know where this is going. Vous savez où ça va arriver. What do you have with Moses? Avec Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? You have Laodicea. The same thing, Laodicea. La même chose, Laodicea. We know in our history. Nous savons dans notre histoire. I'm going to call it the history of the 144,000. Nous allons l'appeler l'histoire des 144,000. We're going to have a Sunday law. Nous aurons donc une loi du dimanche. Do you see a Sunday law here? Est-ce que vous avez vu dans cette histoire de Moïse une loi du dimanche? They make a golden calf. Ils ont fabriqué un veau d'or. I don't know if you know. Et je ne sais pas si vous le savez. But when they make these calves. Mais quand ils ont fait ce veau. They had these horns. Ils avaient donc ces cornes. And you know what they put in between the horns? Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont mis entre ces cornes? It's a disc. Un disque. And what is this disc? Et ce disque, qu'est-ce que c'est? Symbol of the sun. C'est le symbole du soleil. This golden calf. Donc ce veau d'or. Is a symbol of the sun. Et le symbole donc du soleil. And what they doing? Et que font-ils? Worshipping the sun. Ils sont en train d'adorer le soleil. So you got worshipping the sun, the Sunday law. Donc là vous avez l'adoration du soleil, la loi du dimanche. By the way, who's doing that? Mais au fait, qui fait cela? Besides the Egyptians. Au-delà des Égyptiens. Babylon. It's God's people. This is Sinai. C'est le peuple de Dieu au Sinaï. And they did it all by themselves. Et ils l'ont fait par eux-mêmes. They weren't undercover agents there. Là, ils n'étaient pas sous la tutelle de quelqu'un. They knew exactly what to do because they'd copied the world. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient parce qu'ils copiaient le monde. This
calf, ce veau, was it real? Était-il réel? No. Non. It's a copy of something. C'était donc une copie de quelque chose. Copy of a real calf. Une copie donc d'un veau réel. It's all made of gold. Parce qu'il est tout fait d'or. We don't use the word copy. Nous n'utilisons pas le mot copie. We use the word image. Nous utilisons le mot image. And a cow. Le veau. Is a beast. Est donc une bête. So you've got an image of the beast. Donc vous avez donc l'image de la bête. Do you know another story? Est-ce que vous connaissez une autre histoire? About something that's all gold. Sur quelque chose qui est tout en or. It's a copy of something. Qui est donc la copie de quelque that's chose. Real. De quelque chose qui est réel. Of course we do. Bien sûr que nous le savons. Daniel chapter 3. Daniel 3. This image. Cette image là. Nebuchadnezzar is all gold. Cette statue là, Nebuchadnezzar est tout en or. Because he says Babylon goes from the beginning all the way to the end. Parce qu'il a déclaré que Babylone ça allait du début jusqu'à la fin. Was he right? Avait-il raison? Non. Yeah, he was right. Non, oui, il avait raison. Go to Revelation 17 verse 5. Allons dans Apocalypse 17, 5. Revelation 17 verse 5. Apocalypse 17, 5. I don't know if you can see it here. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici. There's a picture. Ici, il y a une image. It says Revelation 17. Où il est écrit Apocalypse 17. There's a woman riding a beast. Il y a une femme là qui chevauche une bête. And on her head, it's got a title. Et sur sa tête là, il y a donc un titre inscrit. The pioneers tell you this was the papacy. Et les pionniers vous disent qu'il s'agit de la papauté. Papacy is at the end of the world. Papauté à la fin du monde. What's her name? Quel est donc son nom? Her title. Son titre. Mystery. Mystère. Babylon. Babylone. You got Babylon here. Vous avez Babylone au début. All the way to the bottom. Tout le long jusqu'à la fin. So he was right. Donc il avait raison. He made some mistakes, obviously. Il a commis certaines erreurs. Because he thought it was going to be literal Babylon. Parce qu'il pensait que c'était la Babylone littérale. But what was it? Mais en fait, qu'est-ce que c'était? Mystery Babylon. C'était Mystère Babylone. So you can see. Donc vous pouvez voir ainsi. Story of Moses. Que dans l'histoire de Moïse. Same story as Daniel. C'est la même histoire que celle de Daniel. Every single story, however you're going to look at this. Donc chaque histoire, quel que soit l'endroit où vous voulez regarder. Talking about one subject. Ça nous parle d'un seul sujet. The end of the world. La fin du monde. So my question to you. Ma question que je vous adresse. Adventists in general. Les Adventistes en général. If they're not familiar with studying this way. S'ils ne sont pas familiers avec l'étude de cette façon. These things are new to them. Ces choses sont tout à fait nouvelles pour eux. Give you one example. Je vais vous donner un exemple. I just showed you the story of Noah. Je viens de vous montrer l'histoire de Noé. Story about the end of the world. L'histoire, elle touche la fin du monde. At the end of the world. À la fin du monde. Who's going to be saved? Qui va être sauvé? Cows or people? Ce sont des personnes ou ce sont des veaux? People. Ce sont des personnes. Pigs or children? Ce sont des enfants ou des cochons? Children. Ce sont des enfants. So why in the story of Noah it's got all these animals who are saved? Alors pourquoi dans l'histoire de Noé il y a tous ces animaux qui sont sauvés? We need to understand what all of this means. Il nous faut comprendre la signification de tout cela. When you begin to become familiar with these studies, quand vous commencez à être familier avec toutes ces études, you get a key. Vous avez donc une clé. And this key unlocks all of those codes. Et cette clé, elle déverrouille tous ces codes. The key, la clé, are rules. Ce sont des règles. The codes, les codes, are symbols. Ce sont des symboles. Not some kind of secret thing. Mais ce ne sont pas des choses secrètes. The symbols are easy to work out. Les symboles, c'est très facile à travailler avec. And you just need to use the rules. Et si vous utilisez les règles, and you get the answers. Vous allez obtenir la réponse. But because we're not familiar with studying this way, mais parce que nous ne sommes pas accoutumés à étudier de cette façon, most of the Bible, la majorité, la grande partie de la Bible, is closed to us. Elle nous est fermée. This week, cette semaine, for those of us who particularly who are new, pour ceux qui sont particulièrement nouveaux, we want to explore some of those symbols. Nous aimerions explorer certains de ces symboles. Explore some of the rules. Explorer certaines des règles. So that we can begin to become familiar. Afin que nous puissions devenir familiers. What's going to happen at the end of the world? De ce qui va se passer à la fin du monde. Our church. Notre église. Is correct in most things about the end time. Events. Et juste sur beaucoup de choses concernant les événements de la fin du temps. But the problem is, mais le problème, c'est we've got some of those sequences wrong. Nous avons certaines séquences qui sont fausses.
Just like when you said, tout comme lorsque vous avez dit, you partake of the divine nature in the future, not in the present. Participant de la nature divine, non pas au présent, mais dans le futur. If you go to a bus stop, si vous allez dans un arrêt de bus, and the bus left 5 minutes ago, et que le bus a quitté l'endroit 5 minutes, you can wait and wait. Vous pourrez attendre et attendre encore. You're never going to get on the bus. Mais vous ne serez jamais à bord du bus. Because you need to know the timetable of events. Parce qu'il vous faut savoir le temps, le calendrier des événements. The only way you know the timetable. Et la façon de connaître donc ce calendrier. Is by working out the sequence. C'est de travailler sur les séquences. Our church. Notre église. Has lost the timetable. A perdu donc ce calendrier. We know a bus is coming. Nous savons qu'il y a un bus qui arrive. The Sunday law. La loi du dimanche. But we don't know when. Mais nous ne savons pas à quel moment. And if you live like that at the end of the world. Et si à la fin du monde vous vivez de cette façon. You're in deep trouble. Vous êtes dans de gros problèmes. Let's pray. Prions. Our heavenly Father. Notre Père céleste. We want to give you praise and thanks. Nous voudrions te louer et te remercier. It's our hope. C'est notre espérance. And our desire. Et notre désir. That we would understand more. Que nous devrions comprendre plus. Of what your will is for us. De ce qu'est ta volonté pour nous. Please be with us and guide us. S'il te plaît, sois avec nous et dirige-nous. And help us. Et aide-nous. To experience what we read in 2 Peter. À expérimenter ce que nous venons de lire dans 2 Pierre. We pray in the name of Jesus. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.